sucré. Donc, ça, c'est démarré. Parfait. Et donc, là, je pense qu'on est prêt. On est prêt à partir. Donc, ce que je ferais, je commencerai. Donc, vous savez, le but aujourd'hui, c'est de réfléchir à ces applications-là dont on entend beaucoup parler. On a entendu parler notamment de celle qui est développée par Mila, là, le centre dont Yeshua Benjo est le directeur scientifique, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a à l'échelle internationale. Il y a différentes initiatives un peu partout. Des applications qui devraient nous aider à lutter contre la pandémie de COVID-19. Mais évidemment, bon, c'est une crise d'une nature et d'une envergure exceptionnelle qui appelle des mesures de nature exceptionnelle. Mais ces mesures-là soulèvent toutes sortes de questions, toutes sortes d'enjeux éthiques. Donc, le but un peu aujourd'hui, c'est de réfléchir aux enjeux qui sont soulevés par l'application et nous aider un peu à nous diriger là-dedans. Donc, ce que je vous demanderai, en fait, là, les cinq panélistes, je vous inviterai, en fait, je donnerai, disons, 5 minutes chacun là, pour vous présenter et peut-être nous dire ce qui sont, selon vous, là, les défis les plus importants là, qu'on doit relever quand on développe ce type d'application-là. Et là, je pense que la question est particulièrement intéressante pour Yeshua, étant donné que ce n'est pas seulement des défis que tu penses qu'on doit relever, Yeshua, mais bien des défis dans ton cas que votre équipe a dû relever là, dans le développement de votre application. Donc, ta réponse devrait être assez intéressante aussi. Donc, je peux peut-être commencer par toi. On va y aller en ordre, en fait, là où je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, commençons peut-être par Yeshua. Je vous ferai des signes quand vous serez autour de 5 minutes. La question numéro un sur laquelle on doit se pencher quand on réfléchit à ce genre de technologie, c'est d'un point de vue scientifique de la santé, de l'impact sur la santé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pourquoi, c'est quoi les connaissances médicales qui peuvent guider cette réflexion? Puis ensuite, se convaincre, dans notre cas, c'est avec des simulations épidémiologiques, puis éventuellement un pilote, de ce que effectivement ça peut apporter comme bénéfice. Puis essentiellement, ce qu'on a réalisé, c'est que au-delà du traçage binaire qui existe là partout dans le monde puis qui ne fonctionne pas super bien d'ailleurs, il y a moyen de faire mieux en utilisant de l'information qui est disponible plus tôt. Aujourd'hui, le traçage binaire utilise le fait que quelqu'un a un test positif. Mais ça arrive assez tard dans l'évolution de la maladie. Alors qu'au moment où il commence à avoir des symptômes, il y a une information qui pourrait être utilisée pour avertir d'autres personnes de faire attention, des personnes que celui qui est infecté et qui a l'infecteur, potentiellement d'autres personnes, a rencontré dans les derniers jours. Donc, si, Dominique, moi, je t'ai rencontré il y a 3 jours puis je commence à avoir des symptômes, mon téléphone pourrait envoyer un message à ton téléphone pour que toi, tu sois un peu plus prudent. Ça ne veut pas dire que je l'ai, ça ne veut pas dire que tu l'as, mais on a de l'information qui peut changer notre comportement. Ça, à ce moment-là, ça devient un choix citoyen. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? Puis ça, c'est la question numéro un. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Puis c'est quoi le potentiel de ça? La deuxième chose, c'est que assez rapidement, quand on creuse, bien, on voit qu'il y a des enjeux de conflit de valeurs. C'est pour ça que la philosophie est intéressante ici. Il y a des valeurs en tension. Il y a d'abord, techniquement, la valeur de la vie privée. Parce que pour que ça puisse fonctionner, que mon téléphone parle à ton téléphone, on va devoir échanger de l'information. C'est quoi les craintes principales par rapport à cet échange d'informations? C'est quoi les alternatives technologiques pour essayer de minimiser le potentiel de fuite d'informations personnelles? Puis la vie privée, bien, c'est un des droits fondamentaux, mais en fait, on a déjà parlé de deux. On a déjà parlé de la santé et de la sécurité des personnes. On a parlé de la vie privée. Mais ce genre d'outils soulève aussi des enjeux, disons, de dignité, des enjeux sociaux. Puis, ben, dernièrement, je me suis rendu compte aussi des enjeux politiques, malheureusement. Et tout ça, ben, on ne peut pas le négliger. Entre autres, l'aspect politique est super important parce que plus il y a de gens qui utilisent ce genre de technologie et plus c'est bénéfique. Pour le premier point, un élément que je veux ajouter, c'est qu'on ne peut pas, mettons un chercheur comme moi, qui est un spécialiste en intelligence artificielle, ne peut pas développer quelque chose comme ça avec son équipe. C'est hyper multidisciplinaire. Donc, il a fallu faire écouter et faire travailler ensemble des gens de plein de domaines. Il a fallu travailler avec, par exemple,
des épidémiologues avec la Santé publique de Montréal, avec la Santé publique d'Ontario, avec le ministère de la Santé au fédéral pour co-créer finalement quelque chose puis qui n'est pas terminé. On continue à avoir des discussions aujourd'hui, les discussions qu'on a, ça informe un futur potentiel de ce genre d'application. Je pense que j'ai peut-être dépassé mon 5 minutes, mais non? Non, ça va, il te reste 2 minutes encore. Wow! Alors, ce que j'ajouterais pour peut-être le bénéfice de cette audience, c'est que il y a un élément démocratique dans tout ça qui est très intéressant aussi. Donc, il y a des manières d'utiliser la technologie top-down. C'est quand le gouvernement chinois ou le gouvernement de Singapour impose l'utilisation d'une certaine application. C'est une manière de faire qui est simple d'une certaine manière parce que ben, si tu n'utilises pas l'application, tu vas être puni. Puis, ça permet de maximiser l'efficacité au point de vue santé. Sauf que ça pose des problèmes, évidemment, de dignité, des problèmes de démocratie, des problèmes de est-ce que le gouvernement va abuser du pouvoir qu'on est en train de lui donner? Dans des pays comme le Canada, je ne pense pas qu'on peut se permettre ce genre de solution, puis ce n'est pas désirable, mais ça, par contre, ça complexifie énormément la donne. Il faut que, pour que quelque chose comme ça fonctionne, il faut qu'il y ait assez de gens qui embarquent, qui comprennent, et ça veut dire un débat, ça veut dire une discussion, ça veut dire une pédagogie, ça veut dire des gens qui ne sont pas d'accord, puis qui s'expriment, puis ben, ce n'est pas facile, et ça aussi, ça demande des talents qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui font la science derrière l'informatique ou l'épidémiologie. Parfait. Bien, écoute, je te remercie. Je note quelques éléments, évidemment. Là, l'interdisciplinarité, les conflits de valeurs, l'aspect technique aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui doit quand même être représenté, certains défis, relations avec les gouvernements, qu'est-ce qu'on peut imposer de manière légitime. Donc, plein de défis à relever. Je te remercie. Maintenant, je donnerai la parole à Jocelyn. Jocelyn, je t'inviterai peut-être à te présenter, peut-être. Et ensuite, là, si possible, répondre à la question. Donc, quels sont les principaux défis à relever quand on développe une application là, anti-pandémie, là, comme celle du COVID, comme la COVID? On t'entend pas, Jocelyn. C'est de ma faute. Voilà. Non, c'est de ma faute, c'est qu'il y a des enfants quelque part dans la maison, donc j'ai coupé mon son tout à l'heure. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis professeur de philosophie à l'Université Laval et président de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Québec, là, qui conseille le gouvernement du Québec, les différents ministères en matière d'enjeux éthiques soulevés par soit des découvertes scientifiques ou des nouvelles technologies. Pour répondre à la question que tu nous as posée, je dirais d'abord en préambule hein, que d'un point de vue éthique, me semble-t-il que la position qu'on devrait adopter, hein, c'en est une d'une certaine neutralité axiologique hein, quant à savoir est-ce qu'on devrait ou pas recommander l'utilisation d'une application mobile là, pour le traçage numérique. Quel type d'architecture on devrait privilégier? Je pense qu'à la base, hein, on devrait faire preuve d'une certaine ouverture épistémique hein, et tenter de voir quels sont les avantages et les inconvénients des différentes positions. Et je pense que c'est important dans le contexte d'un débat social, hein, ici et ailleurs, qui est extrêmement polarisé maintenant entre des solutions, des positions plus technosolutionnistes et des positions qui sont soit catastrophistes ou qui sont toujours a priori hein, critiques ou sceptiques par rapport aux propositions technologiques. À la commission de l'éthique, on a décidé hein, très tôt, lorsqu'on a vu que différentes propositions émergeaient, de former un comité spécial avec d'autres organismes en santé et santé publique. Et la commission d'accès à l'information aussi. On a publié un rapport d'étape le 22 avril énonçant 5 grandes conditions d'acceptabilité éthique des propositions d'applications mobiles. Je ne vais pas tenter de toutes les aborder en 5 minutes. J'ai des collègues très compétents qui vont aborder d'autres points ensuite. Je voudrais plutôt me concentrer sur, au fond, des enjeux de nature à la fois épistémologique et, disons, éthico-politique. Hein. On est dans le contexte là, d'une pandémie hein, qui est causée par la circulation d'un nouveau virus hein, et qui a créé une crise sanitaire.
Et je pense que d'abord, il faut reconnaître que le champ du savoir et aussi des politiques publiques qui est interpellé, hein, c'est, d'abord et avant tout, c'est celui de la santé publique, qui est un champ, comme Yoshua le disait, qui est très fortement interdisciplinaire, hein, qui comprend différentes branches de l'épidémiologie, de la microbiologie, de la médecine et ainsi de suite. C'est un champ qui sollicite aussi hein, des disciplines des sciences sociales lorsqu'il est question des comportements, de comprendre les comportements des citoyens. C'est un champ qui fait une place aussi à l'éthique hein, de la santé publique. Donc, c'est un champ d'une très grande complexité qui comporte, hein, c'est une des grandes difficultés, à la fois une dimension scientifique et une dimension relative aux politiques publiques. Hein. Or, un projet d'application mobile, hein, comme je pense que Christophe Abrassard est parmi nous, comme il le rappelait dans un texte dans la presse dernièrement, une application mobile, hein, c'est ce qu'on appelle souvent un système socio-technique, hein, qui est basé sur des interactions entre les êtres humains et des technologies, qui peut modifier les comportements des citoyens et qui a des impacts hein, sur leur bien-être, sur leurs droits, sur leurs possibilités, et ainsi de suite. Hein. Donc, c'est des interventions extrêmement délicates, hein, en particulier dans le contexte d'une crise sanitaire. Je pense que si on veut éviter le solutionnisme technologique hein, dans le contexte de pandémie, les propositions technologiques doivent vraiment résolument se mettre au service de la santé publique et reconnaître l'autorité épistémique des instances scientifiques et politiques hein, de la santé publique. Hein. Et ce que j'entends par autorité épistémique, c'est au fond, c'est de reconnaître hein, qu'il y a des agents ou des institutions qui sont les mieux placés pour établir les normes hein, du vrai en la matière ou d'établir l'état des connaissances hein, dans le champ donné. Et donc, de façon la plus générale possible, hein, si les concepteurs d'une technologie veulent d'abord respecter un des principes fondamentaux de la bioéthique, hein, celui de la non-malfaisance, hein, ou cette prescription selon laquelle d'abord il ne faut pas nuire, mais il faut se mettre hein, au service des autorités épistémiques et politiques compétentes. Et de cette façon-là, hein, il y a une vraie possibilité de contribuer au bien commun, dans ce cas-ci, en contribuant à la diminution de la transmission du virus dans une communauté. Donc ça exige un travail très sérieux de concertation avec les autorités qui sont habilitées à prendre des décisions et ça implique aussi une certaine humilité là, d'un point de vue épistémique étant donné qu'on a affaire à un champ disciplinaire qui est différent. Évidemment, les autorités de santé publique ne sont pas du tout infaillibles hein, et elles doivent être soumises aussi à un examen critique, mais on a de bonnes raisons hein, d'en faire hein, l'autorité habilitée à prendre des décisions. Lorsqu'on a affaire à une crise sanitaire. En terminant, je dirais en corollaire à ces considérations à la fois épistémiques et politiques, je pense qu'un des enjeux, moi, qui m'a fasciné et que je n'attendais pas nécessairement dans le présent débat, c'est qu'on a vu que non seulement au Québec et Canada, mais ailleurs dans le monde aussi, les tenants des différentes positions s'appuyaient souvent implicitement sur des philosophies politiques différentes hein, qui impliquaient des conceptions différentes hein, du rôle de l'État, du rapport entre l'État et le bien commun ou la justice sociale ou les droits fondamentaux. On sait très bien hein, qu'il y a des mouvances libertariennes fortes hein, dans le monde des technologies de l'information et de la communication, mais qu'on associe surtout à Silicon Valley. Hein. Ce n'est pas une tendance que j'associe particulièrement à l'écosystème montréalais en intelligence artificielle. Mais il est clair que parfois, bon, il y a une hostilité franche hein, envers l'État. Dans certains cas, un certain scepticisme aussi envers l'État, et en particulier lorsqu'il est question de la possibilité que l'État abusant des renseignements personnels, qu'elle fasse intrusion hein, de façon excessive dans la vie privée des citoyens. Hein, il y a cette crainte-là est répandue chez certains développeurs et dans une partie du public aussi. Donc ça, c'est ressorti fortement dans le débat et on a souvent vu, et ça c'est une drôle d'alliance, hein, un certain consensus là, entre d'un côté des tenants d'un certain technosolutionnisme là, qui privilégiaient des applications hein, qui étaient bien à l'abri des interventions de l'État, et aussi chez ceux qui sont habituellement critiques hein, des propositions technologiques, mais qui craignent hein, soit les biopouvoirs ou Big Brother, et qui souhaitent aussi que l'État n'ait pas accès aux données. Hein. Mais l'État, ça peut être plusieurs choses. Hein. Il faut
Ça peut être le système de santé, ça peut être des institutions de recherche et ainsi de suite. Mais bon, on a vu cette drôle d'alliance. Mais ce que je veux dire en terminant, c'est que ce scepticisme envers l'État, disons qu'il est plus difficile à soutenir, me semble-t-il, en contexte de crise sanitaire. Hein? Parce que, bon, si on arrive hein, collectivement à atténuer les effets négatifs de l'épidémie, hein, ça va être évidemment grâce aux décisions individuelles des citoyens, mais aussi beaucoup... en raison des prises de décision hein, des décideurs publics et au déploiement d'interventions de santé publique qui vont être efficaces. Si on arrive à atténuer les effets négatifs, ça va être aussi parce qu'on va avoir des États providence hein, interventionnistes qui vont mitiger autant que possible hein, les effets négatifs, par exemple, d'une politique de confinement en plus ou moins strict. Donc, le scepticisme par rapport à l'État hein, est pas facile à soutenir dans ce contexte. Tout ça, à mon avis, donc, vraiment milite très fortement en faveur d'une collaboration avec les pouvoirs publics hein, dès la conception de tout projet, donc de proposition d'application mobile. Évidemment, ça ne prescrit pas un choix en particulier. Hein. On sait qu'il y a des débats importants. Est-ce que ça devrait être l'État qui développe ou est-ce que les développeurs devraient développer pour l'État et c'est l'État, par exemple, les autorités de santé publique qui vont gérer les données ou est-ce que ça devrait être des tiers dans la société civile? Est-ce que les applications devraient être conçues pour les citoyens ou pour les pouvoirs publics? Et toute la question plus technique des serveurs, est-ce que c'est un serveur centralisé ou est-ce que les données demeurent toujours sur les téléphones? Je te propose que tu t'en gardes. J'ai vraiment terminé. Tout ce que je veux dire, c'est que ça ne prescrit pas un choix particulier, approche centralisée versus décentralisée, mais ce que ça prescrit, à mon avis, c'est une collaboration très, très, très significative avec les autorités publiques dès le départ. Voilà. OK. Parfait. Je te remercie. Écoute, j'ai noté considération épistémique, c'était un peu plus au début. Politique, là, tu parles de l'importance de la collaboration, concertation avec les autorités publiques ou reconnaître leur autorité, leur légitimité. Tu as aussi parlé de neutralité axiologique au début. C'est sûr que moi, bon, en tant que philosophe politique, ça vient aussi titiller là, ma fibre philosophique. Donc, on reviendra peut-être à ça, essayer de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement. Là. Donc là, maintenant, je donnerai la parole à Vardit Ravinsky. Donc, Vardit, si tu veux peut-être te présenter au début et ensuite nous dire, là, encore une fois, là, quels sont, selon toi, là, les principaux défis à relever là, quand on développe ou on déploie une application anti-pandémie. Merci beaucoup, Dominique. À part d'être professeure de bioéthique à l'Université de Montréal, je suis aussi présidente du comité sur les impacts de la COVID-19. De la Fondation Trudeau. Et c'est un comité qui va regarder vers l'avenir quel impact social, économique et d'autres la pandémie va avoir sur notre société dans un esprit de quelles leçons est-ce qu'on peut apprendre en ce moment pour créer une meilleure société dans l'avenir. Bon, c'est une vision très large, mais aujourd'hui, je voulais vous parler par rapport à notre sujet, aussi dans cet esprit de l'avenir de la société. Donc, si je commence avec la tension de base de la bioéthique, clairement, c'est une tension, comme toujours en santé publique, entre les intérêts de l'individu et les intérêts collectifs. Donc là, on parle de vie privée, autonomie, liberté, le choix, la capacité de chacun de nous de choisir si on va utiliser ces applications ou non. Et tout ça entre en tension avec l'intérêt public, l'intérêt collectif d'une mise en œuvre de ces applications pour contrôler la propagation du virus. Donc, très clair, très simple. Et si on reste à ce niveau d'analyse, clairement, le caractère volontaire que Yoshua propose pour les applications résout le problème. Donc, chacun de nous, en tant qu'individu, va choisir si ça nous va ou non, accepter l'application, rejeter l'application. Le problème est résolu. Mais c'est à ce moment-là que je voudrais prendre un regard un peu plus large et poser quelques questions qui vont au-delà de cette tension de base. D'abord, une question technique. Et ça, c'est le danger d'un glissement vers un contrôle du gouvernement
qui n'est pas l'attention en point de départ, mais c'est peut-être le danger du succès. Si ces applications, finalement, font exactement ce qu'on nous dit et on voit leur capacité de vraiment créer une différence dans la propagation du virus, et c'est un bon travail de protection de la collectivité, est-ce que la pression sur nous en tant que citoyen individuel va augmenter d'accepter cette utilisation? Et par exemple, en créant des conditions d'accès à certaines libertés ou certains avantages qui seront donnés uniquement à ceux qui sont d'accord d'utiliser les applications. Donc, premier danger sur la base du caractère volontaire, c'est un danger de glissement vers un contrôle accru par rapport à nos choix complètement libres d'utiliser ou non. Deuxième question que j'ai entendu plusieurs personnes parler de ça, et c'est vraiment pour moi peut-être la question sociétale autour de l'application, c'est le fait que les mesures qui vont être proposées par l'application n'ont pas le même impact sur tous. Et c'était la même chose pour le confinement. Si je suis capable de travailler de chez moi, je suis très privilégiée et je peux. J'ai une grande maison. Actuellement, je ne suis pas responsable de quelqu'un d'autre qui est malade, qui a besoin des soins. C'est très facile pour moi d'obéir à les instructions que l'application va me donner, de rester chez moi, de ne pas aller au travail, de ne pas aller voir des membres de la famille, etc. Mais pour plusieurs groupes ou individus ou familles, le type de recommandation que l'application va donner va créer des limites difficiles, des défis moraux aussi, parce que je veux obéir, mais le coût pour moi est trop élevé. Je voudrais rester chez moi, mais je suis obligée d'aller au travail. Je voudrais ne pas aller visiter ma grand-mère dans une institution, mais il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Et là, ça peut créer un fardeau inégalitaire entre les citoyens. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ont dit, c'est très bien de garantir le choix libre de l'individu, mais il faut aussi créer des politiques publiques, des politiques de santé qui vont soutenir les citoyens lorsqu'ils vont essayer de respecter les directives données par les applications. Et finalement, je voulais aussi proposer pour qu'on mette sur la table un autre principe éthique classique de la santé publique. Et c'est un principe que j'ai utilisé récemment quand j'ai écrit avec Daniel Weinstock, qui est là, sur la question des certificats d'immunité. Et c'est le principe qui nous dit que quand il y a une tension entre individus et collectifs, il faut toujours choisir les interventions qui minimisent la violation ou le fardeau sur d'autres valeurs morales. Donc, par exemple, s'il y a un danger pour la vie privée posé par une intervention et il y a une autre intervention qui ne pose pas ce danger, il faut toujours prioriser ou privilégier les politiques, les interventions, les applications, quoi que ce soit, qui pose le moindre risque pour les autres valeurs qu'on veut protéger. Alors là, je pose la question à nous tous, quelles sont les alternatives? Si les applications font ce que Yoshua nous dit en effet qu'elles font, et si on arrive à protéger le choix libre de chaque individu d'accepter ou non cette utilisation sans pénaliser ceux qui rejettent ou ceux pour qui c'est trop difficile et avec le soutien nécessaire. Donc, si on fait tout ça, quelle alternative, quelle autre politique ou mesure est-ce qu'on a en ce moment pour arriver à notre objectif qui est commun à nous tous de ralentir la propagation, de contrôler la pandémie, de permettre à tout le monde de revenir à une vie le plus normale possible? Et donc, quand je réfléchis à ça, il semble que par rapport aux autres politiques qui ont été proposées actuellement, les applications posent le moindre risque
pour nos autres valeurs importantes en tant que société démocratique. Et donc, je voulais que pour la discussion qu'on va avoir, on va garder en tête cette idée qu'il faut toujours ne pas seulement regarder cette intervention, mais toutes les autres, le menu qui nous est offert en ce moment, et regarder les alternatives par rapport au fardeau que les alternatives posent pour ces valeurs qu'on est en train de protéger. Parfait, parfait. Bien, écoute, merci. Merci beaucoup, Vardit. Là, il y avait plein de choses aussi dans ce que tu as dit. J'ai noté là, quand tu parles du fait que les mesures n'ont pas le même impact sur tous et qu'il est vraiment nécessaire de développer des bonnes politiques de la santé publique ou des bonnes politiques de pratique publique en parallèle. C'est très intéressant. Ça soulève la question aussi de qu'est-ce qu'on peut faire raisonnablement dans l'urgence, parce qu'évidemment, ça replace un peu tout l'équilibre complexe de qui a le fardeau de qui en société. C'est peut-être une question à laquelle on pourra s'attaquer. Et l'autre question aussi, quand tu as parlé des certificats de citoyenneté ou du fait que l'application mobile est la meilleure option, peut-être la moins intrusive, ça soulève aussi des questions, là, justement, des avantages respectifs d'une technique de traçage basée sur la technologie comme une application mobile par rapport à, tu sais, le traçage manuel, en fait, qu'on pourrait faire. Donc, c'est deux questions peut-être aussi là, auxquelles on pourrait revenir par la suite. Maintenant, ce sera à ton tour, Céline, si tu veux juste te présenter et ensuite nous dire quels sont les principaux défis selon toi. Merci beaucoup, Dominique. Donc, je suis Céline Casté-Renard, je suis professeure de droit à l'Université d'Ottawa. Je viens d'arriver au Canada. Auparavant, j'étais professeure de droit à Toulouse et j'ai passé deux années à New York. Donc, je connais un petit peu aussi les problématiques nord-américaines un peu plus globalement. Et donc, je suis titulaire de la chaire de recherche de l'Université d'Ottawa sur l'IA responsable dans un contexte global. Et ce qui m'intéresse de manière générale, c'est cette notion de contexte global. Finalement, la pandémie est une très belle occasion de se poser la question de l'IA et des technologies dans un contexte global, puisque là, il s'agit d'une pandémie et tout le monde, finalement, va faire face aux mêmes problèmes. Et tout le monde va peut-être essayer d'avoir des solutions communes ou en tout cas de se copier. Tous les gouvernements s'observent. L'Europe, par exemple, avait un peu d'avance sur la pandémie par rapport au Canada, et c'est vrai qu'on a beaucoup regardé ce qui se passait en Europe. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en apparence, tout le monde prend les mêmes mesures, mais en fait, quand on regarde un petit peu dans le détail, et en particulier sur les applications de traçage des contacts, on voit qu'il y a beaucoup de différences et beaucoup de subtilités qui sont liées, bien sûr, à des cultures, à des droits, à des démocraties ou non-démocraties, des régimes politiques différents, mais qui sont liés aussi aux droits et aux législations différentes. Donc, je vais vous apporter quelques petits exemples de ça en essayant de ne pas être trop pénible avec mon droit. Et je vais essayer de ne pas vous assommer. C'est toujours un défi. Donc, par exemple, quand on considère l'Europe, tout le monde parle du Règlement général de protection des données personnelles, le fameux RGPD, et ça donne l'impression que tout le monde va adopter exactement la même législation. Enfin, à partir de cette législation commune, tout le monde va appliquer la même recette et le même type d'application de contact. Et en fait, on voit par exemple qu'entre la France et l'Allemagne, même s'il y a une base commune, eh ben, on a choisi des applications différentes avec un système centralisé en France et un système décentralisé par exemple en Allemagne. On voit aussi que le Portugal n'a rien choisi du tout. Et donc, finalement, si on regarde les 27 pays de l'Union européenne, finalement, assez peu de ces pays ont choisi une application. Donc, on a un contexte identique, une problématique, la même problématique, la même législation et des réactions assez différentes. Et finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que même dans l'hypothèse où on a une législation commune comme en Europe, on va avoir une diversité de réactions, ce qui va créer aussi des problèmes techniques d'interopérabilité des applications. Donc, c'est à la fois, à mon avis, ce patchwork est à la fois lié à des solutions techniques différentes, mais aussi à des règles de droit différentes. Si je reprends l'exemple de la France, on est très jacobin, on choisit un système centralisé avec l'État qui décide. Ça, c'est tout à fait typique de la France et ça n'étonnera personne. Quand on réfléchit à ce qui se passe ici, ça a été mentionné tout à l'heure par Jocelyn, on est plutôt dans une logique de défiance de l'État ou en tout cas de réflexion par rapport au rôle de l'État. C'est lié à des histoires, à des contextes et aussi, encore une fois, à des législations. Et si je regarde la législation du Canada en matière de protection de la vie privée ou de la protection des données personnelles,
On voit aussi un certain patchwork parce que ça relève à la fois du fédéral, mais aussi du provincial. Et chaque province va avoir tendance à vouloir avoir son application. Et par exemple, quand on voit que les commissaires à la protection de la vie privée au niveau fédéral, provincial et territorial ont adopté un texte commun, sauf l'Alberta, parce que l'Alberta avait déjà son application. Donc, en fait, je trouve que ce que je veux dire par là, c'est que la technologie et le droit sont assez intimement liés. Et ça, c'est assez intéressant. Et on voit, par exemple, aussi que la CAI, la Commission d'accès à l'information du Québec, a clairement dit que la législation était insuffisante pour se préoccuper du problème de la question des applications de traçage. Donc, c'est un peu comme si on disait, mais là, moi, je ne peux rien faire de toute façon. Donnez-moi une loi qui ressemble à quelque chose. Et là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc, ça, je trouve que c'est assez intéressant dans le débat. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que des principes, le règlement général de protection des données personnelles est loin d'être une législation modèle. C'est une gestion hyper compliquée, 99 articles. Les entreprises européennes sont assommées par ce texte, donc c'est compliqué pour tout le monde. Donc, je ne veux surtout pas que vous croyiez que c'est une législation qu'il faut absolument suivre. Mais par contre, il y a un certain nombre de principes qu'on entend beaucoup ailleurs, enfin, qui sont repris ailleurs et qui font partie du débat aujourd'hui. Je pense aux principes directeurs qui doivent encadrer la collecte de données personnelles, comme le principe de nécessité, principe de minimisation de la collecte de données, principe de proportionnalité. Ces principes-là, on les entend aussi ici dans le débat, alors qu'ils ne sont pas forcément dans la législation. Même chose pour la notion de consentement libre et éclairé, qui doit être explicite, qui est particulièrement fort dans la législation européenne. Mais en même temps, la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, nous a dit que le fondement de l'application française Stop Covid ne devait pas être le consentement, mais plutôt l'intérêt public et la protection de la santé. Donc finalement, le consentement est un peu mis de côté parce qu'on sait très bien qu'il ne peut pas être forcément libre et éclairé dans un contexte comme celui-là. Et on voit aussi les concepts de privacy by design ou privacy impact assessment qui sont réutilisés, même s'ils ne sont pas forcément dans les législations canadiennes ou ailleurs. Et j'en terminerai parce que je crois que mon temps est écoulé, en disant que même les notions ne sont pas les mêmes entre vie privée, ici on parle de protection des renseignements personnels ou de la vie privée, en Europe on parle de protection des données personnelles protégées comme un droit fondamental, ce qui veut dire qu'on se réfère à la vie privée, mais on se réfère aussi à d'autres droits fondamentaux. Et ce droit fondamental à la protection de la vie privée ou à la protection des données personnelles protégées en tant que telles, doit toujours être mis en œuvre dans le cadre d'une balance des droits fondamentaux. Et c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui dans la réflexion qu'on doit tous avoir, et ça a été bien dit avant, une balance des intérêts entre la protection de la société, la protection de la santé, la vie privée, et même dans une législation forte et assez stricte qu'est celle de l'Union européenne, on a en tête cette balance des intérêts. Donc, voilà à peu près ce que je veux dire dans un premier temps. Parfait. Bien, écoute, je te remercie, Céline, et je tiens à te rassurer, là, tu n'as pas été du tout assommante avec ta perspective légale, qui est en fait très importante aussi pour réfléchir à ce genre de questions-là. C'est très près des enjeux éthiques, évidemment. C'est même pratiquement impossible de les dissocier, en fait. Donc, notre dernier intervenant sera Maxime Lambrecq. Donc, Maxime, si tu veux juste... Oups, excuse-moi. Te présenter brièvement, nous dire toi aussi là, quels sont les principaux défis. Et je tiens à souligner, Maxime arrive un peu d'une perspective extérieure parce qu'il n'a pas nécessairement suivi de nos débats ici à Montréal, au Canada spécifiquement. Vous êtes probablement plongé dans des débats similaires en Belgique, mais donc la parole est à toi. Oui, on ne parlera pas beaucoup de la Belgique parce que, comme d'habitude, les problèmes institutionnels et communautaires ont fait que le gouvernement préférait confier ça aux régions, l'équivalent de vos provinces, et donc meilleure façon pour s'assurer que rien ne se passera, puisqu'elles doivent se mettre d'accord. Donc je me présente en quelques mots. Donc je suis juriste moi aussi et philosophe, donc je vais essayer de complémenter ce qu'a dit Céline avant moi. Je travaille sur l'éthique et le droit du numérique. Dans mon travail, je m'intéresse ces derniers temps, je suis plutôt spécialiste en droit d'auteur et droit de liberté d'expression, et je m'intéresse en particulier, j'essaie d'exporter justement cette notion de privacy by design, qui effectivement aussi est un apport assez important dans le domaine du droit à la liberté d'expression,
puisque donc je travaille notamment sur la mise en œuvre de la récente directive européenne sur le droit d'auteur et le fameux article 13-17 dans lequel donc je propose effectivement d'intégrer donc une préoccupation ici pour la liberté d'expression by design. Et donc ce principe de privacy by design, je trouve effectivement aussi très intéressant que ce soit un principe qui se soit un peu imposé dans le débat, un peu comme une évidence. Et donc ça, je dis ça d'ailleurs sans chauvinisme, puisque c'est un principe qui vient du Canada avec la commissaire à la vie privée et puis qui a été importé en Europe dans le fameux RGPD, qui effectivement a beaucoup de choses à dire sur ce règlement. Mais donc, cette idée, pour ceux qui ne seraient pas familiers peut-être avec le principe de privacy by design, c'est vraiment l'idée que, pour résumer d'une manière vraiment extrêmement simpliste, plus on tend à avoir recours à la régulation technique ou à la régulation algorithmique pour influencer, modifier les comportements, etc., et bien plus, au fond, les simples garanties purement formelles ou juridiques des droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie privée, mais on peut l'appliquer à d'autres, ne suffisent pas. Et donc on a un déséquilibre entre l'impact immédiat, automatique, a priori de la technique et la temporalité juridique, etc. Et donc il ne suffit pas simplement d'avoir des grandes garanties déclaratives, il faut effectivement que dès la conception de ces systèmes algorithmiques, on prenne en compte les droits fondamentaux, dont le droit à la vie privée. Je trouve ça très intéressant que par le modèle, les différents, enfin pas mal de modèles qui sont proposés dans le débat, des 3PT, PACT ou bien ici COVID, on soit dans cette logique d'intégrer la protection de la vie privée d'emblée dans le design de ces applications. Et alors plus généralement, je pense que quand on parle de ces applications, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jocelyn Maclure, il faut en tant que philosophe, il faut être a priori ouvert d'esprit avec le principe de ces applis, et il faut réfléchir à leur opportunité avant de se prononcer, évidemment. Il faut être ouvert d'esprit. Évidemment, ça n'empêche pas d'être critique. Et il me semble qu'on peut être assez exigeant sur le niveau de protection des libertés fondamentales qu'on se doit d'attendre de ce genre d'appli, en particulier étant donné qu'on est ici dans une temporalité où il semblerait, croisons les doigts, que les mesures de confinement dans pas mal de pays font effet, qu'on a peut-être du temps avant une éventuelle seconde vague, etc. Et donc on peut se permettre effectivement d'être exigeant. Et donc, je pense que ça a déjà été mentionné, une lunette utile pour jauger de l'opportunité de ce genre d'appli, ce sont les principes classiques de nécessité et de proportionnalité. Et alors, c'est une évaluation qui devra nécessairement se faire en fait de manière très dépendante du contexte, étant donné que la question de la nécessité qui peut poser la question de est-ce que c'est la voie la moins intrusive, elle se posera différemment selon l'état où on en est dans l'épidémie, la sévérité évidemment de l'épidémie, mais aussi selon des facteurs tout à fait contextuels comme la disponibilité de dispositifs de test ou non. Sachant que si on est à peu près nulle part au niveau test, une application de contact tracing sera à peu près inutile. Et si on a aussi des tests surabondants et bon marché, le contact tracing a priori serait moins utile ou moins nécessaire. C'est un peu le genre d'examen qu'il faut faire. Il faut rester critique évidemment face aux risques d'interférences excessives avec le droit à la vie privée, sachant qu'évidemment dans ce genre de débat, les pentes glissantes et les pieds dans la porte sont nombreux, mais bien sûr
très peu de droits fondamentaux sont absolus et donc on peut effectivement discuter de limitations qui seraient proportionnées. Parfait, Maxime. Écoute, je te remercie. J'ai retenu, bien évidemment, l'importance là, du privacy by design, là, du respect de la vie privée, là, même au niveau de la conception. On essaiera peut-être de revenir à ça aussi, voir là, concrètement qu'est-ce que ça peut vouloir dire là, dans le cas d'une application anti-pandémie. Mais sinon, tu as aussi parlé de principe de nécessité ou de proportionnalité. Je pense que je vais rebondir tout de suite là-dessus, en fait. En vous posant une question à tous, et après ça, je vais demander aux panélistes là, d'approfondir là, ou de leur idée ou pourquoi ils ont répondu ce qu'ils ont répondu. Mais donc, on est dans une situation de crise, de pandémie de COVID-19. On essaie toutes sortes de mesures pour lutter contre la pandémie. Ça implique de devoir pouvoir retracer les contacts. Notre façon un peu plus traditionnelle de le faire, c'est simplement de faire du traçage manuel de contacts ou simplement on prend les coordonnées, on emmène peut-être le dossier médical ou les informations médicales des personnes qui sont infectées par le virus et ensuite on essaie de retracer là, chacun des contacts que cette personne-là a eu. Une autre option, c'est d'aller plutôt du côté d'une solution technologique comme une application mobile qui permet d'avoir des informations sur les contacts que les individus ont. C'est pas incompatible, Dominique. L'un peut être un complément à l'autre. Oui, oui, tout à fait. Je dis pas que c'est incompatible. Maintenant, l'enjeu avec qu'on souligne souvent avec les applications anti-pandémie ou de traçage de contacts, c'est que ça peut être intrusif, en fait. Ça peut mener à des violations de la vie privée. Ça peut avoir ou ça peut permettre à l'État là, d'exercer un contrôle indu sur la population. Maintenant, ce n'est pas comme si le traçage manuel de contact n'était pas non plus une action gouvernementale là, qui n'était pas intrusive, parce que ça nous donne quand même beaucoup d'informations sur les individus qui sont tracés ou retracés de cette façon-là. Donc, la première question que je vous pose, puis après ça, je vais vous demander aux panélistes peut-être d'en dire plus, là, mais qu'est-ce qui est le plus intrusif selon vous? Est-ce que c'est le traçage de contact manuel? Et là, répondez oui si c'est ça. Ou une application mobile, et là, il faudrait dire non. Donc, c'est pour donner les deux choix. Donc, est-ce que le traçage manuel n'est pas en fait plus intrusif qu'une application mobile? Première question. Attendez là, que je baisse mon... Quelques réponses. Est-ce qu'on a le droit de parler aussi? Ou... Et là, levez la main si vous voulez intervenir, les panélistes, peut-être. Là, parce que si on essaie de parler tout le monde en même temps sur... pouvez-vous lever une main virtuelle ou... Peu de gens répondent, donc je vous repose la question, qu'est-ce qui est le plus intrusif? Est-ce que c'est le traçage de contact manuel ou les applications mobiles? Traçage de contact manuel, oui. Application mobile, non. OK, donc, il y a une majorité, oui. Bon, faible taux de réponse, je tiens à le souligner, mais quand même une majorité nette qui se dessine en faveur de considérer que les applications mobiles sont plus intrusives et qui peut-être pourrait soulever plus d'enjeux éthiques. Maintenant, Yoshua, vas-y. Comme dans beaucoup de questions, là, oui, non, c'est trop simpliste. C'est-à-dire que du point de vue de la personne qui a eu un test positif, c'est clair qu'avec le traçage manuel, on doit révéler énormément plus d'informations si on utilisait une application de traçage digital. On doit donner les noms, les numéros de téléphone, les endroits où on a été, etc., des personnes qu'on a contactées. Donc, c'est une grosse ouverture à la vie privée. Par contre, la personne qui révèle choisit de révéler ce qu'elle veut. D'accord? Donc, quelqu'un peut mentir ou ne pas donner toute l'information, ce qui en soi peut aussi poser des problèmes. Et l'autre chose, c'est qu'avec le traçage digital, c'est pas seulement les personnes qui ont un test positif qui révèlent de l'information, mais ça peut être d'autres gens aussi, parce qu'on a nos téléphones qui vont se parler entre eux. Bon, ça dépend des applications qu'on va considérer. Donc là, c'est plus si simple de comparer sur une même échelle parce que c'est pas le même groupe de personnes, c'est pas la même quantité d'informations. Donc, en gros, je dirais quand même que la réponse est oui, mais en fait, dans les deux cas, c'est peut-être des quantités difficiles à comparer. Parfait. Il y a quelques personnes qui écrivent sur le chat, la question n'était pas claire. Là. Toutes mes excuses, là, j'en prends tout le blâme.
L'enjeu n'est pas n'est complexe aussi, mais voilà, toutes mes excuses pour ça. Oui, Céline. Oui, pour compléter la réponse de Joshua, je pense que finalement, les données qui sont collectées dans un cas comme dans l'autre ne sont pas forcément de la même nature. Effectivement, on va nous demander plus d'informations quand c'est un traçage manuel et on peut avoir oublié, donc l'information ne sera pas automatique, systématique, exhaustive. On peut vouloir mentir, hein. Si on a rencontré sa maîtresse, on n'a peut-être pas envie de le dire, donc on ne le dira pas. En revanche, effectivement, avec le traçage automatique, les gens qu'on croise en particulier dans les transports en commun, dont on n'a aucune idée de savoir qui c'est, cette information-là va pouvoir être tracée. Donc finalement, c'est vraiment plus l'information peut-être plus sociale dans le cas où on nous demande qui on a rencontré et on va un peu plus décrire les personnes et donner plus d'informations sur ces personnes. Alors que si c'est automatisé, on ne sait pas forcément qui sont ces personnes et on ne dira rien sur elles, mais simplement la proximité qu'on a pu avoir à un instant T. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile de comparer les deux solutions qui, finalement, n'aboutissent pas à la même nature d'information. Et ça, c'est très important du point de vue de la protection des données personnelles, parce que quelle information on donne exactement, quelle est la nature de l'information, ça change tout en termes de qualification. OK, parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir sur cette question-là? Maxime, oui? Oui. Désolé, je n'ai pas levé la main virtuellement. Ça va. Je dirais qu'un élément qu'on pourrait ajouter aussi, c'est peut-être que je suis d'accord qu'on a tendance à penser dans l'opinion publique que le contact tracing manuel, le téléphonique, n'est pas problématique, etc. Et on a tendance à négliger aussi potentiellement le caractère intrusif de ce genre de mesures qui peut aller très fort dans le détail. Mais il me semble qu'une dimension dans laquelle potentiellement le contact tracing technologique est peut-être plus intrusif, c'est précisément parce qu'il est plus efficace et donc parce que le type de données qui va être collecté vont être évidemment plus exhaustives, plus complètes, plus exploitables potentiellement par des acteurs évidemment qui serait mal intentionné. Il me semble que du coup, il y a peut-être un argument de pente glissante plus raide parce que ces données pourraient être, ou ce genre de dispositif pourrait être mobilisé aussi pour d'autres objectifs, peut-être après la crise dans laquelle on est, si ce genre d'application se banalise, alors que garder des armées de contact traceurs téléphoniques, ça risque d'être coûteux, long et inefficace. Donc, on a certaines garanties effectivement que ça ne durera pas plus de temps que prévu. Merci, Jocelyn. Oui, je reviens à la remarque initiale de Joshua. La comparaison, je pense qu'elle est vaine là, parce que dans aucun cas, on pourrait remplacer le retraçage manuel par une application de traçage ou de notification numérique. Hein. Les applications, effectivement, enregistrent certains liens de proximité entre des téléphones, mais comprend absolument rien de la nature des interactions. Hein. Admettons que le Bluetooth arrive à bien évaluer la distance entre les deux téléphones. Après ça, elle ne sait pas, est-ce que les personnes portent un masque? Est-ce qu'elles se sont même parlé ou pas? Il y a plein d'informations sur l'interaction qui ne sont pas du tout enregistrées par le téléphone. Et une fois qu'une personne... un test positif et que le risque de l'autre augmente, tout ça, on a encore besoin d'une personne humaine qui va poser des questions sur le contexte. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est vrai qu'en ajoutant une application numérique, comme Maxime le disait, ça ajoute des risques aussi. Il y a plus d'utilisateurs, plus d'utilisateurs de téléphones dont des données les concernant sont captées. Il y a des risques sur le plan de la sécurité informatique et ainsi de suite. Donc, ça ajoute des risques, mais c'est vrai que le traçage de contact manuel aussi implique des restrictions, des atteintes à la vie privée. Je lève la question parce qu'évidemment, je ne voulais pas suggérer que c'était un ou l'autre, là, où un était nécessairement meilleur que l'autre, il fallait choisir un à la place de l'autre. Mais il y a beaucoup moins d'attention qui est accordée aux enjeux et possiblement débordements éthiques liés au traçage manuel de contact, qui semble être plus ou moins accepté par tout le monde. Par opposition aux applications mobiles. Donc, c'est peut-être là où ça peut nous renseigner sur quelque chose qui est pertinent dans le débat, en fait. Parce que si on accepte le traçage manuel de contact et finalement, les applications mobiles soulèvent des enjeux, mais peut-être pas des enjeux d'une gravité supérieure, ça mérite réflexion.
Mais l'efficacité du traçage manuel est démontrée. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas s'en passer, alors que l'efficacité des applications mobiles reste à démontrer. Hein? Ben, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jocelyn. Les modèles épidémiologiques qui sont développés dans le monde depuis des décennies, ce n'est pas quelque chose qu'on peut complètement rejeter du revers de la main. Et il y a des arguments logiques aussi qu'on peut faire. Maintenant, cela étant dit, c'est évident que ces modèles ne peuvent pas couvrir la complexité de la réalité et qu'il faut faire des pilotes pour pouvoir tenir compte des facteurs psychologiques, sociaux, etc., qu'on ne peut pas modéliser. Je comprends que le désaccord est sur l'efficacité des applications numériques, mais pas sur la nécessité de continuer le retraçage de contacts manuels. Ah non, là, on est d'accord là-dessus. Pour en rajouter, par exemple, il y a des situations qui sont bien connues avec ce qui peut arriver dans un restaurant. On a une distance plus grande que le quelques mètres là, que le Bluetooth va enregistrer, et où quand même il peut avoir infection à cause du fait que c'est un endroit fermé avec une ventilation pas appropriée, etc. Donc, pour moi, il faut... Pourquoi s'enlever un outil qui fonctionne, mais plutôt il faut voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus qui nous donne, disons, un plan alternatif pour les situations qui ne vont pas être captées par le traçage manuel et aussi qui nous donne la possibilité d'être plus de répondre à la demande si jamais il y avait, par exemple, une deuxième vague rapide. Parce que le problème aussi avec le traçage manuel, c'est que on ne peut pas engager 10 000 personnes qui font ça du jour au lendemain. Donc, si tout d'un coup, il y avait une deuxième vague qui accélère avec les téléphones, ben, ça, le passage à l'échelle se fait comme tout seul, entre guillemets, si on peut convaincre les gens. Tandis qu'avec le traçage manuel, il y a une question de formation, une question de recrutement, etc. Donc, je pense qu'il y a des avantages et inconvénients qui sont complémentaires. OK. Écoutez, je vous pose une autre question. J'ai une autre question dans la mêlée aussi. Donc, quand on développe ce type d'application-là, évidemment, on peut les développer sur la base de ce qu'on pourrait appeler des modèles de confiance différents. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, c'est grosso modo une série d'hypothèses sur qui sont les agents dans notre système qui sont le plus dignes de confiance ou en qui on devrait placer le plus de confiance pour garantir là, le respect de la vie privée, la légitimité ou l'intégrité du système. Okay? Donc, si on pense à quelque chose comme un système de paiement comme Interac, par exemple, qu'on a ici au Québec, là, avec lequel tu es moins familier, Maxime, mais à ce moment-là, c'est un modèle de confiance qui est vraiment beaucoup basé sur l'organisation qui administre le réseau et le système bancaire, par exemple, qui n'est pas très décentralisé, qui est assez centralisé. Quand il est question d'application anti-pandémie, on doit aussi faire ce choix-là, là, dans le sens qu'on pourrait avoir une application où c'est le gouvernement qui vraiment gère le code de l'application et les données individuelles. Un modèle où c'est plutôt une organisation privée, une fondation privée, comme c'était la proposition qui avait été faite avec l'application COVID, où on peut aussi essayer de développer des modèles plus décentralisés, où là, les données sont carrément stockées localement dans les appareils des ordinateurs, des appareils portables. Évidemment, il y a des avantages à aller avec un modèle de confiance qui est plus décentralisé, mais il y a aussi des coûts qui sont rattachés, parce que ça augmente la complexité potentiellement du système, son déploiement, la possibilité de mettre en place certaines fonctionnalités. Et ça peut peut-être le rendre plus susceptible à certains types d'attaques là, que dans le jargon, on appelle parfois des attaques 50% plus 1. Donc, la question que j'aimerais en faire une question oui ou non, mais j'ai l'impression que ça va être un peu trop compliqué pour celle-là aussi. Donc, dans le fond, je vous pose la question d'un point de vue éthique. Là. Est-ce qu'il y a un modèle de confiance qui est préférable? Est-ce qu'il y a une structure qui est préférable là, pour une application comme l'application anti-pandémie? Et là, je ne suis pas très surpris, mais il y a choix quelque chose à nous dire là-dessus. Oui, vas-y. Ben, je ne répondrai pas à ta question sur l'éthique parce que c'est pas mon domaine vraiment. Ouais. Mais je pense que la question a beaucoup à voir avec la confiance du public. Donc, l'adoption de ces... Est-ce que les gens vont faire confiance? S'ils ne font pas confiance, ils ne vont pas utiliser, ils ne vont pas le downloader, ils ne vont pas l'installer. Donc, en plus de la question éthique, de savoir ce qui est mieux moralement, je pense que la vraie question, c'est dans une population donnée, qu'est-ce qui va recueillir le plus d'assentiment? Et puis là, il n'y a pas une réponse scientifique autre que finalement des sondages ou d'essayer, etc., d'avoir une discussion collective pour savoir ce que les gens veulent. Nous, on a regardé pas mal de sondages depuis le début de ça, puis
c'était très, très clair que la raison numéro un que les gens citaient comme une raison pour laquelle ils pourraient vouloir ne pas vouloir une application comme ça, c'est la peur que ces données-là tombent entre les mains des gouvernements. Est-ce que c'est à raison ou à tort? Selon moi, c'est à tort. Les gouvernements au Québec, au Canada, moi, je leur fais plutôt confiance pour ce genre de choses. On a des règles, commissaire à la vie privée, etc., qui nous protègent très bien en ce qui me concerne. Bon, oui, enfin, il y a une autre discussion à avoir avec les Facebook, Google de ce monde, mais par rapport à ce genre d'application, surtout en ce qui concerne des données de santé, moi, je n'aurais pas d'inquiétude personnellement à ce que ce soit le gouvernement qui s'en occupe. Mais il semble que beaucoup de gens dans la population, ça les met mal à l'aise, suffisamment pour ne pas utiliser l'application, et auquel cas, ben, ça ne sert à rien d'avoir une application si on perd la moitié du monde pour cette raison-là. Céline? Oui, je pense que la question est très importante et très difficile. C'est très difficile d'avoir une réponse, et je pense que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de chaque État, de chaque contexte, de chaque culture. En Europe, on a... Je disais tout à l'heure que la France était assez jacobine, il y a une centralisation, mais on a aussi connu la guerre, on a aussi connu les fichiers des Juifs, et l'Allemagne aussi, bien sûr, a eu son lot de problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce qui est très étrange, c'est qu'on pourrait penser que ce genre de système, qu'il n'y a aucune adhésion sociale à ce genre de système et à ce que l'État s'en occupe en raison de cette histoire. Mais en même temps, on voit que ce n'est pas forcément le cas, et peut-être qu'il faut être un peu plus subtil aussi, de se demander, tout dépend aussi peut-être qui au sein de l'État s'en occupe. Si c'est le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas la même chose que si c'est le ministère de la Santé. On peut quand même espérer qu'il y ait un certain cloisonnement des ministères, hein. On peut encore le souhaiter dans des sociétés démocratiques. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même information. Tout dépend aussi plus globalement comment fonctionne le système. Si le système fonctionne directement en lien avec les services de santé qui signalent qu'une personne est positive, et donc c'est à partir de ce signalement par un professionnel de santé que l'information redescend, finalement c'est un système plutôt top-down. Là, évidemment, le rôle de l'État s'impose presque de lui-même, j'ai envie de dire. Alors que si c'est chacun qui doit dire qu'il est infecté, donc plutôt bottom-up à partir de son application, on peut se dire... C'est pas nécessaire que l'État intervienne dans le système. Donc, ouais. Il y a l'occurrence, ça peut être les deux. Là, dans notre application, il fallait les deux. Donc, la personne veut mettre l'information dans l'application et ça doit être validé par la santé publique pour éviter des abus, disons. Oui, voilà, parce qu'effectivement, des erreurs ou effectivement des abus peuvent complètement perturber le système. Mais en tout cas, c'est toute une question de circulation de l'information. Comment est-ce qu'elle est transmise par le haut, par le bas ou les deux? Et qui doit la conserver aussi. Et il y a bien sûr la question que tu poses, je pense, Dominique, derrière, c'est la question de la légitimité. Alors, c'est sûr que c'est plus simple quand c'est l'État, parce qu'il y a quand même, a priori, une légitimité démocratique. S'il n'y a pas cette confiance démocratique, il faut changer d'État, il faut renverser le gouvernement. Mais je veux dire, la question se pose moins. Alors que si c'est un acteur privé, évidemment, la question de la gouvernance, la construction d'un comité ou de je ne sais quoi qui serait créé là à titre privé, bah, il faut construire cette légitimité démocratique. Et là, c'est bien compliqué parce qu'on commence par qui, par quoi, qui donne finalement, qui va nommer la première personne qui va peut-être nommer les autres membres. Enfin, voilà, la question est beaucoup plus compliquée que si on se dit bah, c'est l'État, on sait déjà qui c'est, on va dire que c'est le ministère de la Santé, par exemple, parce que c'est un problème de santé. C'est plus simple quelque part. OK, merci beaucoup. Je vais te donner la parole à Vardit, là, parce que je crois que tu n'as pas encore intervenu, donc on va commencer par Vardit. Bon, absolument d'accord avec Yoshua par rapport à la question de la confiance du public et avec Céline par rapport à la légitimité. Ce sont les concepts clés ici. Mais on parle un peu des citoyens constamment comme ceux qui rejettent, qui ont peur, qui veulent se protéger. C'est l'individu contre le gouvernement. Et moi, je voulais juste ajouter un autre ton dans la conversation. Et c'est un sens de solidarité qu'on a vu, un sens de responsabilité, de bonne volonté et donner un peu des compliments à la population québécoise qui a vraiment démontré une telle capacité de collaboration au niveau de bonne volonté. Donc, finalement, il faut aussi ajouter le composant de l'éducation.
faire confiance au public, que les gens comprennent, comprennent les risques, comprennent l'impact d'utiliser ou ne pas ce type d'intervention, être honnête avec le public toujours par rapport aux risques associés avec ce qu'on propose et les bienfaits de, qui peuvent résulter, mais vraiment garder à l'esprit que les gens veulent faire de leur mieux pour contribuer aussi à la santé publique. Donc, je voulais juste jeter dans le mélange solidarité, responsabilité et bonne volonté. OK, merci. Merci beaucoup, Varzit. Maxime. Oui, je voulais d'abord commencer en réfléchissant sur la question de savoir effectivement dont ça dépend un modèle centralisé, décentralisé. Céline disait, mais ça dépend aussi si on est dans un État démocratique ou pas, et si on n'est pas dans un État démocratique forcément, mais là, il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser. Et donc, forcément, là, dans beaucoup de cas, le risque de dérive est grand. Je pense qu'il y a aussi la question de quelle possibilité, quel modèle de gouvernance on rend possible et qui, du coup, pourrait aussi être adopté dans des régimes autoritaires. Et là, je trouve quand même très intéressant l'initiative prise par Apple et Google de proposer donc cette API, cette API de exposure notification à certaines conditions, et donc d'imposer un certain modèle. Ça pose tout un tas de questions de souveraineté numérique des États, évidemment, qui, notamment comme la France, qui aimerait pouvoir avoir une exception à ce modèle-là. Mais donc, essentiellement, l'idée, c'est que pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités, notamment le Bluetooth en arrière-fond sur les téléphones, notamment iPhone, eh bien, il faut respecter un certain nombre de modèles comme l'idée d'un modèle décentralisé, pas de but commercial, pas d'accès à la géolocalisation, etc., etc. Et donc, effectivement, ça limite très fort les possibilités pour des régimes plus autoritaires d'abuser d'un modèle centralisé, parce qu'a priori, avec l'état des smartphones tels qu'ils existent aujourd'hui, le modèle centralisé est rendu plus difficile. On n'a pas accès à certaines fonctionnalités et apparemment, il semblerait qu'à Singapour, une des raisons pour lesquelles la première appli n'a pas fonctionné, n'a pas tellement été adoptée, c'est parce qu'elle vidait les batteries des utilisateurs puisqu'ils devaient utiliser l'appli en mode ouvert en permanence. On pouvait pas tourner. Pour le téléphone Apple, non ? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis sinon, plus généralement, moi, sur cette question centralisée, décentralisée, je trouve très intéressant le trade-off que je tiens de mes collègues Axel Gosseriz et Olivier Pereira, qui dans un article à paraître, qui montre bien qu'en fait, c'est pas aussi simple qu'on le pense, parce que d'un côté, évidemment, l'approche centralisée collecte plus de données, et on a accès à une partie du graphe social, les contacts qui ont été exposés et qui sont connus par l'autorité centrale, puisque c'est elle qui fait le matching. Et dans l'approche décentralisée, on collecte beaucoup moins de données, évidemment. Donc ça, c'est aussi un avantage du point de vue des principes de minimisation des données, un principe qui se retrouve notamment dans le RGPD. Mais si l'approche décentralisée collecte moins de données, elle distribue plus. Et donc, forcément, le fait que dans un réseau de pair à pair, les données, même pseudonymisées, même avec toute une série de garanties, sont publiquement disponibles, ça va avoir évidemment des conséquences sur déjà la possibilité de rectification, voire de suppression de ces données. Effectivement, on peut dire que les données ne sont pas suppressibles ou supprimables. Plus généralement, on peut aussi se demander, et la question se pose aussi avec, dans le cadre des dispositifs, des modèles de type blockchain, utilisés notamment dans le Bitcoin, si ce genre de modèle décentralisé ne met pas davantage sur les épaules de l'utilisateur le poids d'assurer la sécurité de ces données et donc l'exposerait davantage à certaines attaques.
Alors qu'évidemment, dans le modèle centralisé, eh bien, si on fait confiance à l'autorité et si l'autorité est compétente dans la protection de ces données, on peut dire que pour les utilisateurs, c'est peut-être un poids en moins, une responsabilité en moins. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup, Maxime. Jocelyne, tu serais la dernière personne à intervenir. Puis c'est ça, tu as beaucoup parlé de l'importance de la concertation avec les autorités gouvernementales. Fait qu'est-ce que tu y vois là une implication pour le bon modèle de confiance? Justement, ça devrait être plus les gouvernements qui gèrent le système et détiennent les données privées et en assurent l'intégrité où il n'y a pas d'implication ou enfin. Donc, Oui, bien, en fait, disons, l'état de l'opinion publique via un sondage, je pense que c'est des informations qu'il faut prendre en considération. Hein, si on voit qu'il y a déjà une grande résistance par rapport à un modèle où l'État est plus impliqué, mais ça ne doit pas être signifier la fin de la réflexion ou il ne faut pas en inférer un refus d'impliquer l'État sur cette seule base. Hein, parce qu'un sondage sans délibération, c'est aussi assez fragile hein, comme résultat. On a vu hein, par ailleurs dans la pandémie, ici et ailleurs, hein, dans les pays qui ont le mieux géré la pandémie, une augmentation vraiment draconienne du niveau de confiance envers les gouvernements et en particulier envers les scientifiques hein, qui conseillent les gouvernements. Donc, si les autorités compétentes dont je parlais sont capables d'expliquer au public que d'avoir accès à ces données qui sont traitées et générées par les applications, ça peut être particulièrement efficace hein, pour modéliser, par exemple, une prochaine vague ou les effets de différentes politiques de santé publique. Je pense qu'il y a une chance tout à fait hein, sérieuse que le degré de confiance envers l'État ou envers un modèle qui inclut, hein, qui collabore, qui est basé sur une collaboration avec l'État, que l'opinion publique change de façon importante. Hein. Et il ne faut pas oublier que, bon, il y a des craintes spontanées chez les citoyens, là, mais lorsqu'on pense à ce que connaît le fisc de nous, la santé, le ministère de la Justice, la sécurité publique, et ainsi de suite, hein, c'est impressionnant, hein, toutes les informations à notre sujet qui sont accessibles, mais les différentes autorités publiques doivent hein, utiliser ces données sous contrôle hein, d'autorité habilitée aussi à appliquer les lois sur la protection de la vie privée, hein, dont la Commission d'accès à l'information au Québec. Donc, tout ça peut être expliqué hein, dans un débat public où, comme Verdi l'a dit, on prend les citoyens hein, pour des citoyens responsables capables de comprendre des enjeux délicats. Parfait, merci. Yoshua, j'ai vu que tu as levé la main, mais si tu permets, c'est que je sais que tu dois nous quitter à 16h30 et j'aurais quand même voulu donner la chance à tout le monde de ouvrir les questions en fait à l'ensemble des participants pendant que tu es encore avec nous. Je vous propose que c'est ça, Yoshua avait un conflit d'horaire là, qui précédait l'invitation à cette table ronde-là. Il s'est quand même joint à nous. Je vous propose qu'on continue peut-être une dizaine de minutes, même une fois qu'il nous aura quittés, mais de terminer quand même un peu plus tôt là, que 17h. Et donc, j'ouvrirai en fait la discussion aux questions du public. Je vous propose de procéder de la façon suivante. Si vous voulez poser une question vous-même, écrivez simplement votre nom dans le chat et je vais vous donner la parole au temps opportun. Et si vous écrivez une question dans le chat, je vais poser la question à votre place. OK? Donc là, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Je voudrais beaucoup enfermer la vidéo. Je vous encourage à ouvrir la vidéo, si c'est possible, évidemment. Il n'y a aucune obligation, mais si c'est possible d'ouvrir la vidéo pour essayer de rendre cette interaction-là quand même la plus humaine possible, malgré le fait qu'elle soit médiatisée par la technologie. OK, donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions du public? Bon, je vois Christophe, tu m'as écrit « question posée moi-même ». Donc, Christophe, vas-y. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup et merci pour cette discussion de grande qualité. C'est vraiment passionnant. Alors, moi, je vais poser une question. Comme l'ont souligné Barbie et Jocelyn, il s'agit de concevoir un dispositif socio-technique pour lequel il faut que toutes les pièces du puzzle soient présentes et réunies, sans téléphone suffisant, congé maladie garanti, espace de télétravail de qualité ou de quarantaine. Piste cyclable, type, ça ne marche pas et ça peut, comme le disait très bien Vardit,
conduire à des fardeaux inégalitaires puisque ces ressources sont inégalement réparties parmi les citoyens. Pour certains, ça peut être très difficile de télétravailler, etc. Donc, la question que je me posais, c'est l'outil prédictif, plutôt que de porter sur les individus le risque de contagion, le traçage, puisqu'on ne fait que la moitié du chemin, le traçage, ensuite il s'agit de mettre en place des mesures, est-ce que l'outil prédictif pourrait porter sur l'organisation collective, c'est-à-dire les besoins de réaménager l'espace public pour une municipalité, les besoins de chambres d'hôtel supplémentaires pour pouvoir, par exemple, mettre des gens en quarantaine ou leur offrir des espaces de télétravail de manière équitable et juste. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un outil prédictif? Christophe, on t'a perdu. Il y avait déjà, écoutez, on a compris l'essentiel de la question, là. C'était est-ce que l'outil prédictif devrait porter sur... Il aiderait les municipalités c'est pas mutuellement. À mieux s'organiser d'un point de vue logistique, municipalité, avec public. Allô? Oui, je pense qu'on t'a perdu, en fait, mais on a compris l'essentiel de la question, là. Tu te demandais si l'outil prédictif ne devrait pas plutôt porter sur les ressources à mettre en place au lieu simplement des individus. J'inviterais tout le monde à répondre. Plutôt, je veux dire, les outils prédictifs sont utilisés partout dans la société. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce n'est pas parce qu'on l'utilise dans le téléphone qu'on ne peut pas l'utiliser pour prédire le besoin en chambre d'hôtel ou en piste cyclable. Pour moi, c'est quasiment hors sujet dans le sens que l'un n'exclut pas l'autre. Après, je pense que on doit mettre toutes les ressources pour l'aspect socio dans le socio-technique, là. En particulier les gens qui vont être en quarantaine pour une raison ou pour une autre, quel que soit l'outil qu'on utilise, que ce soit du traçage manuel d'ailleurs ou autre chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Je pense que quand même les gouvernements ont essayé de faire des choses avec leurs mesures économiques pour aider les gens qui ne peuvent pas travailler. Donc, ça va quand même déjà dans ce sens-là. On pourrait sûrement aller plus loin. Peut-être, Maxime. Je pense que les interventions que j'ai entendues étaient par rapport à l'idée que ces politiques-là ou ces programmes de soutien devaient être prêts avec la mise en œuvre de l'application. Que les deux choses devraient arriver en même temps pour que les gens soient vraiment capables de ne pas seulement tracer, mais suivre les directives qui ressortent de ce traçage. Et donc, l'idée était d'avoir un regard plus systémique de l'application et ce qu'il faut créer autour de l'application pour qu'elle soit vraiment utile et plus égalitaire. Moi, j'irais carrément pour un revenu minimum garanti, mais ça, c'est un autre débat. mais tout est lié aussi, hein, mais oui, c'est un débat, en tout cas. Parfait. Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui veut intervenir? Sinon, je passerai à la prochaine question. Moi, j'aurais voulu juste dire deux mots là, par rapport à la discussion de tantôt sur la centralisation, décentralisation, parce que le choix qu'on a fait avec COVID, c'est un peu hybride. Donc, pour ce qui est du graphe de contact dont parlait Maxime tout à l'heure, ça, c'est décentralisé. Donc, cette information n'est jamais recueillie nulle part, un peu comme dans Apple, Google. Par contre, il y a des données qui vont être centralisées qui ne permettent pas de récupérer le graphe de contact, mais qui sont utiles à la santé publique, genre qui vont aider la santé publique à voir venir les éclosions avant que les gens se présentent à l'hôpital ou qui vont aider à mieux comprendre les mécanismes de transmission de la maladie. Et c'est possible de faire ça. Donc, on n'est pas limité à un modèle uniquement tout dans les mains du gouvernement intrusif et ou le modèle décentralisé où, en fait, on a perdu la possibilité d'utiliser de l'information utile à la santé publique. Si on regarde techniquement ces enjeux-là avec les contraintes de vie privée qu'on veut maximiser et en même temps l'utilité à la santé publique, il y a moyen de trouver des solutions qui font des bons compromis. OK, merci. Merci, Yoshua, pour la précision. Céline, peut-être rapidement, c'est là-dessus ou l'intervention de Yoshua? Ou... Les deux. Là, on est en train de parler d'utiliser l'IA pour faire d'autres choses que le contact tracing, l'allocation des ressources ou la modélisation de la pandémie. Mm-hmm. Je pense que pour élargir le débat, c'est effectivement important. On a des outils qui peuvent être
directement utile à la société, donc l'exemple de Christophe ou l'exemple de Benjo à l'instant. Par contre, moi, j'appellerais simplement à la vigilance pour bien distinguer les choses, pour dire ce qu'on fait, pourquoi, et d'être très clair, très pédagogue, et d'être très transparent avec la population, et pas vouloir dire on fait une appli de contact et autour on fait plein d'autres choses, parce que c'est là qu'on a besoin de collecter beaucoup de données et c'est là que les risques pour la vie privée et pour la violation des lois de protection de données personnelles le risque est plus important, quoi. Donc, je pense qu'on peut faire des choses très équilibrées si on raisonne un peu plus clairement, un peu plus en silo et que pour chaque finalité, en fait, il faut raisonner par finalité. C'est comme ça qu'on raisonne dans la législation de protection des données personnelles. Donc, voilà, c'était mon bémol par rapport à l'utilité, que je nie pas du tout, de toutes ces applications, enfin de toutes ces fonctionnalités. Moi, sur les enjeux socio-techniques que Christophe a soulevé, j'aimerais bien qu'on revienne sur une question qui a été posée par Vadim Travitsky tout à l'heure et qui, pour moi, est vraiment pas évidente et très importante. C'est qu'est-ce qu'on fait avec, mettons, les employeurs et les commerçants ou ceux qui tiennent des lieux où les gens se rencontrent, c'est déjà en train de se faire, là, avec ou sans COVID, mettre en place des procédures avec ou sans téléphone pour essayer de filtrer à l'entrée, pour essayer de s'assurer que s'il y a une éclosion chez eux, ils vont pouvoir la contrôler, qu'ils vont pouvoir faire du traçage manuel ou digital pour essayer de limiter les dégâts, etc. Donc, c'est en train de se faire, ça va se faire. On n'en parle pas de ça. Et comment tout ça peut être relié avec une application grand public que tout le monde va utiliser, où il y a peut-être deux poids, deux mesures, là. On accepte de laisser aller une partie de notre liberté parce qu'on se dit, ben, si je rentre dans une pharmacie, c'est correct qu'ils me posent plein de questions. Que cette question soit posée d'ailleurs par une personne ou que ça a été déjà répondu dans notre téléphone et que ça part directement au téléphone du caissier, dans le fond, qu'est-ce que ça change? C'est juste plus efficace. Okay. Mais peut-être qu'il y a des enjeux sociaux, de dignité, etc. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. OK, parfait. Donc, oui, bonne question. Est-ce que, donc, je vois Céline te lever la main. Peut-être lever les mains les autres si vous voulez intervenir pour me donner une idée. Mais Céline, vas-y, là, si tu as quelque chose à répondre à ça. J'essaie de faire vite. C'est un peu la question de la pression sociale, en fait, où, que ce soit manuel ou avec le contact tracing, peu importe, automatisé, peu importe, c'est qui a le droit de prendre les contacts et est-ce qu'on est obligé de répondre? Et si on se dit qu'on a la liberté de ne pas donner ces informations, ben c'est très compliqué quand on veut accéder à un magasin, quand on veut aller au restaurant, ou pire encore, quand c'est son employeur qui le demande. C'est très difficile dans ces contextes-là de dire non. Et donc, c'est tout le problème de la pression sociale. Dans la loi française, c'est la CNIL qui a pointé du doigt ce problème. Et il est prévu des sanctions en cas de pression exercée, notamment de l'employeur, mais pas seulement, pour télécharger l'application ou pour avoir accès aux informations de l'application. Ça, c'est très bien. Théoriquement, c'est super, il faut le faire. Mais en pratique, quand on est en situation d'inégalité face à son employeur, c'est assez difficile de dire non, j'installerai pas l'application. Et au Canada, au Québec, est-ce que quelqu'un connaît la réponse à cette question? Je pense qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Et je voulais juste dire que Stop Covid, pour l'instant, ça fait une semaine que ça a été mis en place et seulement 2% de la population a installé Stop Covid pour le moment. Il va falloir attendre la prochaine vague avant que… Bon, Vartit. Je voulais juste continuer de ce que Céline vient de dire. Aux États-Unis, on sait déjà, je suis en train de travailler sur ce sujet avec une équipe, que les employeurs, je crois que la relation employeur-employé est vraiment un contexte particulier où la pression devient insupportable et c'est vraiment une violation de liberté. Parce que déjà, on voit, il y a des applications, rien à voir avec la COVID, mais de suivi des habitudes de vie. Fitbit, combien de temps je passe chaque jour à marcher, à faire des exercices, suivi de nourriture, ce que je mange, combien d'heures par nuit je dors. Il y a des applications qui suivent tout ça. Et il y a des employeurs aux États-Unis qui demandent à leurs employés d'installer des applications et de fournir les données. Et c'est lié à l'assurance maladie qu'aux États-Unis, l'employeur fournit. Donc là, il y a toutes des connexions dangereuses entre ce qui est présenté comme un bénéfice pour les employeurs, les employés. Voilà, on va vous aider d'améliorer vos habitudes de vie et de protéger votre santé.
Et très vite, ça peut devenir une mesure de pression d'obéir aux quelques aux directives qui vont diminuer le coût de votre assurance maladie pour votre employeur. Donc, voilà un exemple d'un autre contexte lié à la santé où les applications sont devenues une question éthiquement explosive dans le contexte de la relation employeur-employé. Et là, si pour la pandémie, ça va durer maintenant des mois et des années, on va peut-être réaliser que c'est le même danger dans ce contexte-là. Merci, merci beaucoup, Vardy. Je vois que cette question-là suscite beaucoup d'intérêt, des réactions sur le chat aussi. Là, Alison Marchildon qui dit qu'il n'y a rien ici. En fait, c'est une question qui préoccupe beaucoup là, la Commission de l'accès à l'information du Québec. Justin, tu avais levé la main aussi, tu voulais intervenir là-dessus. Oui, ben, la Commission d'accès à l'information a écrit hein, que si jamais des applications numériques mobiles étaient déployées, que la loi devrait être changée pour empêcher, par exemple, les employeurs d'exiger hein, aux employés de montrer l'application et le degré de risque de la personne. Les applications ne sont pas conçues pour ça. Elles peuvent évaluer hein, des fluctuations dans le niveau de risque, mais de façon aussi faillible, ou en tout cas probabiliste. Hein, et même une application plus sophistiquée comme celle du MILA pourrait aussi générer l'équivalent de faux positifs ou faux négatifs, là, même si ce n'est pas une application binaire comme les autres. Hein. Donc, il ne faudrait absolument pas que ça soit utilisé comme un outil qui permettrait d'établir une sorte de diagnostic médical, hein, parce que ce n'est pas du tout, les applications ne sont pas capables de faire ça. Je suis désolé tout le monde, mais je dois quitter pour une autre rencontre que je ne pouvais pas annuler. Je vous remercie beaucoup, beaucoup des discussions. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Salut, Yoshua. Écoutez, donc, je vous propose qu'on continue quand même quelques minutes encore, disons une dizaine de minutes. Là, il n'y a pas beaucoup de membres du public qui ont eu la chance de participer. Malheureusement, Yoshua ne sera plus parmi nous. Mais donc là, j'avais Maxime, tu avais levé la main pour intervenir sur cette question-là. Et après ça, j'ai une question de Louise Ringuette, en fait, là, qui a manifesté son intention de poser une question depuis assez longtemps déjà. Donc, vas-y, Maxime. Ouais, très brièvement, effectivement, je trouve que c'est une très bonne question que je me pose également parce que, ben, comme l'a dit Céline, ça a beau être effectivement formellement interdit dans le droit, comment est-ce qu'on assure que, et je pense quand même que le problème se poserait de manière plus sévère avec une application, puisque de nouveau, c'est quand même une donnée plus facilement vérifiable que de devoir répondre à un questionnaire détaillé où on peut mentir, etc. Et donc, peut-être que, comme on peut mentir quand on vous pose des questions, peut-être que dans le design de l'appli, est-ce qu'il faudrait imaginer un écran, l'heure, qui affiche tout est correct, qui permette à l'employé de montrer patte blanche, mais alors est-ce que c'est pas problématique par ailleurs d'induire en erreur potentiellement sur la santé d'une personne ? Les employeurs. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment prendre non plus cette question, mais effectivement, je ne vois pas de façon très simple d'assurer le consentement à l'utilisation de ce genre d'appli. C'est d'autant plus compliqué, si je peux me permettre, que l'employeur a lui-même l'obligation d'assurer la sécurité de ses salariés. Donc, quand il y en a un qui ment, il met aussi en danger tout le monde. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste une question de liberté individuelle. Une autre belle question d'éthique dans le milieu de travail, en fait, qui nous ramène à des questions de justice plus fondamentales en société. Une fois de plus, la frontière entre ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation et ce qui se passe en société, dans la sphère publique, est un peu remise en question. Donc là, j'avais une question de Louise Ringuette, mais là, Martin, j'ai un peu perdu le fil parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions après? OK, parfait. Donc, Louise Ringuette, si vous voulez y aller, on vous écoute. Un élément, c'est pas une question, en fait, c'est un élément qui, c'est que depuis le début, on discute beaucoup, on compare la santé publique, qu'est-ce que la santé publique collecte d'un côté, puis qu'est-ce que COVID pourrait collecter de l'autre côté. Puis on essaie un petit peu de les comparer, qu'est-ce qui est mieux un ou l'autre, ou qu'est-ce qui est plus éthique ou en pro. Puis moi, je trouve qu'on perd certaines notions en faisant ça, dans le sens qu'on devrait essayer de décortiquer l'ensemble de la cascade. Dans le sens que si on prend, par exemple, une personne qui est infectée par le COVID à l'hôpital, mais tu sais, il va y avoir une collecte de données à l'hôpital qui va être encadrée par une autre loi
que celles qui vont encadrer le COVID, par exemple, c'est qui va être plus la loi sur la santé et les services sociaux ensuite de ça, mais si la santé publique collecte de l'information sur cette personne-là et sur les contacts, mais c'est encore une autre loi qui va s'appliquer, qui va être la loi sur la santé publique, qui encadre aussi la façon dont les renseignements personnels vont être collectés, pourquoi, la finalité, tout ce qu'on parlait tantôt, dans le fond. Puis, si on s'en vient à COVID, mais là, on tombe encore dans une autre loi qui est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, parce que COVID étant dans un OSBL, mais c'est le secteur privé qui s'applique. Puis là aussi, mais on a le consentement de la personne qui vient un peu plus interférer, même si dans la loi sur la santé et les services sociaux, on a le consentement aux soins de la personne aussi. Mais tout ça, dans le fond, c'est pour dire que quand on les compare, il faut aussi regarder les cadres normatifs qui font qu'il y a une collecte de données, puis la légitimité de cette collecte de données-là. Puis on ne peut pas vraiment les comparer comme un ou l'autre, mais c'est plus un avec l'autre, parce que les deux ont une action complémentaire, puis les deux sont légiférés différemment. Puis en tout cas, dans le débat de société qu'on voit en ce moment, c'est comme si on les compare un et l'autre, mais je pense qu'il faut tenir compte aussi de tout l'ensemble de la problématique sociale aussi, dans le sens qu'on a l'habitude de se confier à notre médecin, puis on n'a pas cette peur parce qu'on dit que nos données vont rester confidentielles. On a un petit peu cette même confiance en la santé publique, mais quand on tombe dans le secteur privé, mais là, c'est une autre cascade de confiance qui s'instaure, comme on peut avoir confiance en notre banque parce qu'on met notre argent à la banque, mais on peut avoir confiance en COVID. Mais je pense que dans la façon de faire, il faut que le client sache quelles données qu'on collecte sur lui, pourquoi on les collecte, qu'est-ce que ça va servir. En fait, tout un processus de transparence puis d'interconnexion avec qu'est-ce qui existe en santé publique, qu'est-ce qui existe dans COVID, puis comment les deux se rejoignent. Puis je pense que c'est cet élément-là qui est peut-être manquant en ce moment, qui fait que les citoyens se braquent, ou certains se braquent, puis certains se disent « youpi », parce que dans notre société, c'est toujours un peu comme ça, là, mais en fait, c'est qu'on ne peut pas les regarder juste comme deux choses semblables ou deux choses qui une remplace l'autre, parce qu'ils sont complémentaires et ils ne sont pas encadrés par les mêmes cadres législatifs. OK. Merci beaucoup. Écoute, la première partie de la question touchait beaucoup l'uniformité, l'harmonisation des cadres juridiques. La dernière partie de la question touchait beaucoup la population, la protection de peut-être population vulnérable de certains groupes, la relation patient-personnel-soignant. Je donnerais peut-être la parole en premier, Céline, puis après ça, s'il y en a d'autres qui veulent interagir sur d'autres aspects de la question, là, levez la main ou faites-moi un signe, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord avec l'analyse que vous faites. Il y a une grande complexité normative et une diversité des cadres qui s'appliquent. C'est la raison pour laquelle le choix de gouvernance et qui fait quoi n'est pas anodin. C'est sûr que si c'est directement l'État et les autorités de santé, finalement, on a un seul cadre, qui est celui de la santé publique. Et c'est la complexité d'un dispositif comme COVID, d'avoir voulu créer quelque chose à part, privé. Et là, effectivement, on a affaire à un deuxième cadre normatif et à la nécessité que ça interopère, alors que ce n'est pas spécialement prévu pour. Avec aussi la question de l'obsolescence des lois sur la protection des données personnelles, enfin, des renseignements personnels au Canada, au fédéral et au Québec. Et j'espère que ce sera l'occasion pour les législateurs de s'en être rendu compte finalement et de se dire, c'est le cri de la caille, hein, et de dire, il est temps de réformer. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Jocelyn, Vardit. Dominique, il y avait une question qui n'a pas été, à laquelle on n'a pas répondu, de Henri-Paul Bronsard qui demandait « On a vu que ce sont les personnes âgées qui sont les plus touchées, alors y aura-t-il une discrimination envers eux parce qu'on sait qu'elles n'ont pas accès aux technologies ?» Est-ce que… Moi, je connais la réponse, mais qui veut répondre? La discrimination, dans quelle mesure c'est problématique ou qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut raisonnablement espérer? Donc, nos quatre experts, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à cette question toute simple, en fait, et nous dire comment régler ce petit problème? Certains États prévoient de mettre en place des petits bracelets, des petits outils moins chers pour permettre un traçage. Voilà, donc, qui va dans le sens de tracer toute la population. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ça, c'est encore un autre débat. Je voudrais quand même qu'on revienne à la question de savoir si on doit mettre en place ces applications, parce qu'on ne l'a pas posé la question, et pourquoi on le ferait, pourquoi on ne le ferait pas. Et je pense que cette question de base mérite quand même d'être posée.
Et en passant, quand je dis un petit problème, évidemment, c'était plutôt une remarque un peu sarcastique, là, où, dans le sens où je ne considère pas du tout que c'est un petit problème. Là, mais... Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir là-dessus? Écoutez, je vous lance, dans ce cas-là, je vous lance, moi, une autre question. Puis, s'il n'y a pas d'autres questions du public, on pourra peut-être terminer avec ça. Tu sais, Vardit, tu as parlé de l'importance de bonnes politiques publiques, de politiques en matière de santé. Évidemment, tout ça est extrêmement complexe. Puis là, on a une situation d'urgence quand même extrême, gestion d'une crise où le, tu sais, de la santé, où le virus, notre connaissance du virus évolue en temps réel, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qui est raisonnablement possible d'espérer en termes de, d'adoption et d'adaptation de nos politiques publiques à la crise? Qu'est-ce qui est raisonnablement possible d'espérer? Là, il faut peut-être revenir vers la distinction entre le cœur de la crise, où on fait tout en urgence, où on accepte que la réalité politique qui nous entoure n'est pas parfaite, que les solutions ne sont pas optimales, mais il faut faire quelque chose pour minimiser le fardeau, et une situation qui devient chronique, qui va durer des mois et même des années, où on aura le temps de réfléchir, de consulter le public, de changer la loi ou les règlements pour mieux soutenir ces interventions pointues. Donc, quelque chose comme COVID, si on pense à une application qui va être utilisée 3 à 6 mois juste pour contrôler la crise ou une vague, c'est une chose. Si c'est quelque chose qui va devenir une partie de notre vie, à long terme, c'est autre chose. Parce que pour contrôler une propagation en temps de crise, le public accepte qu'il y a un prix. Un prix en termes de vie privée, un prix en termes de liberté, un prix d'inégalité. Mais à long terme, si on utilise un outil qui a comme impact d'exacerber les inégalités sociales qui sont déjà un des problèmes le plus grave de la pandémie, ça devient inacceptable. Donc, cette distinction est importante. Est-ce que c'est un outil à court terme, à long terme? Et si c'est à long terme, et en effet, ça a un impact néfaste sur le niveau d'égalité dans la société, les politiques publiques devraient absolument accompagner un outil pareil. Donc, je réponds à un très haut niveau sans donner des solutions concrètes. Mais je crois que nous, les bioéthiciens, les gens de la loi, tous les chercheurs qui regardent les différents aspects de sciences humaines et sociales et juridiques, il faut qu'on commence très, très vite à réfléchir comment il faudrait soutenir ce type d'application à long terme. OK, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent réagir? Je ne sais pas, Jocelyn... Maxime. Oui, juste peut-être un mot pour dire que d'un côté, malgré évidemment les conséquences désastreuses, dramatiques de cette pandémie, la chance qu'on a, c'est que ça aurait pu être bien pire en termes de mortalité, en termes de virulence du virus, en termes d'effectivité des mesures qu'on a prises. Et donc, la chance qu'on a potentiellement, c'est que cette pandémie, qui sera peut-être pas la dernière, puisse servir de répétition générale, en quelque sorte, face à une potentielle pandémie avec une virulence, une mortalité bien pire, plus proche d'un virus comme Ebola, par exemple, etc. Et donc, on peut avoir évidemment deux approches si on estime que... Bon, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de est-ce que c'est efficace le contact tracing technologique? Est-ce que ça donne vraiment des bons résultats? Est-ce que ça vaut le coup, nécessité et proportionnalité, est-ce que ça vaut le coup de limiter ou de poser un risque pour la vie privée? Et alors, si on est sceptique sur la nécessité, il peut y avoir aussi deux approches. On peut avoir alors une approche de refus qui consiste à dire, ça n'a pas fait ses preuves, donc il faut pas l'employer, ça pose trop de risques. Ou alors peut-être une approche un peu plus résignée ou un peu plus... déterministe qui consisterait à dire que ce genre d'application va de toute façon finir par s'imposer ou d'une certaine manière ça va s'imposer à nous et donc peut-être qu'il faut promouvoir le modèle qui préserve le plus les libertés, etc.
Donc voilà, ça c'est un petit peu la question, mais je pense qu'on a raison d'être exigeant. Parfait. Oui, Jocelyn? Oui, tout à fait. On a raison, Maxime, d'être exigeant. Je pense que, bon, évidemment, hein, il faut faire attention au blâme, le rétrospectif, hein, parce que personne n'avait l'expérience hein, de gérer une crise sanitaire hein, de cet ordre-là. Mais je pense que le principe de prudence dont on n'a pas parlé aussi hein, s'impose vers ces questions des applications mobiles, de notification des contacts. Hein, et c'est tout à fait possible, quand je parlais de neutralité axiologique au départ et d'ouverture épistémique, hein, c'est tout à fait possible que, disons, à moyen et long terme, soit prochaine vague de propagation, soit nouvelle épidémie ultérieurement, que de se passer complètement d'outils numériques de ce type-là, que ça ne soit pas une bonne idée, hein, que ça puisse être un complément, et vraiment un complément, hein, et même si c'est une contribution qui est limitée, elle pourrait possiblement être positive hein, en permettant aux uns aux autres là, d'adapter leur comportement en fonction de leur degré de risque. Hein. Donc, il faut garder cette possibilité-là en vue là, qu'il y a une contribution positive potentielle. Mais bon, il faut peut-être que la démarche doit être un peu plus à long terme, justement peut-être en vue d'une prochaine vague, hein, qu'on s'assure qu'on comprenne bien quels sont les besoins des autorités de santé publique et comment on peut s'arrimer aux stratégies déjà en place et comment on peut aussi hein, tester les propositions technologiques hein, pour tenter de mitiger hein, les effets potentiellement négatifs hein, dont on a parlé sur les intrusions dans la vie privée ou les possibilités d'exclusion ou d'augmenter, d'exacerber des inégalités déjà existantes. Je sais qu'au Royaume-Uni, il y a des phases de tests. Je sais qu'en France, hein, avec Stop COVID, on a demandé à des hackers hein, d'essayer de trouver les vulnérabilités. Ici, on a un peu fait l'impasse hein, sur la période de tests pour mettre à l'épreuve les propositions. Mais si on voyait ça, non pas dans l'urgence, hein, ce qui nous rapproche beaucoup du technosolutionnisme, mais plutôt à moyen et long terme, c'est possible qu'on arrive à élaborer une application mobile qui joue un rôle positif hein, dans un arsenal de mesures plus large. Parfait. Merci beaucoup, Jocelyn. Céline, écoute, je te donne la parole. Je te donne aussi le mot de la fin, là, si tu veux. C'est une grosse responsabilité. Oui. je ne sais pas si c'est un bon mot de la fin, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Jocelyn. Je pense qu'il faut des législations et des agences aussi fortes. Je parlais de la CAI tout à l'heure, mais il y a aussi l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est intervenue en France sur les questions sur les protocoles de sécurité. Donc, je pense que ça passe beaucoup par le renforcement des systèmes de santé, des agences autour des questions numériques de manière générale et au-delà aussi des questions de santé parce que moi j'ai le sentiment que maintenant à chaque problème social de grande envergure, nouveau, complexe, on va avoir tendance à aller chercher la technologie. On l'a vu pour le terrorisme et on va le voir même maintenant pour tout rassemblement. Dès qu'il y aura des JO, il faudra mettre des drones, il faudra mettre de la reconnaissance faciale, etc. Donc on rentre dans une ère où de toute façon la technologie va être là, les law enforcement agencies, là, je trouve pas la traduction, les agences de policing, de protection vont vouloir utiliser cette technologie. Donc je pense qu'il faut qu'on anticipe un maximum tout ce qui pourrait vouloir être utilisé avant que ce soit la crise d'urgence et que de toute façon il y a un peu un certain fatalisme à se dire de toute façon on n'a rien à perdre donc on y va. Ce qui est très difficile parce qu'on ne connaît pas les contextes possibles d'utilisation de ces technologies, mais je crois qu'on a vraiment une réflexion de fond à mener avec les techniciens, je ne sais pas comment on peut les appeler. Alors Joshua nous a quittés, mais il y en a d'autres dans la conversation. Je pense qu'il faut qu'on anticipe avec un État fort, je pense, et avec des agences de contrôle fortes et des législations fortes pour assurer ces équilibres dont on parlait tout à l'heure. Mais parfait. Écoute, je te remercie. Je pense que c'était un excellent mot de la fin. Donc, des grands enjeux pour les applications anti-pandémie, mais c'est peut-être le début de toutes sortes de réflexions qu'on va devoir avoir, en fait, sur le techno-solutionnisme ou enfin sur l'utilisation de la technologie comme solution à des grands problèmes sociaux, des grands enjeux sociaux. Donc, c'est parfait. Écoutez, je vous remercie énormément une fois de plus pour votre participation là, à la table ronde. Je pense que c'était très enrichissant.
Donc, nous, comme vous l'avez vu, nous avons enregistré cette rencontre. Donc, nous allons utiliser toutes sortes de moyens technologiques pour la rendre disponible sur le site du CRE pour que vous puissiez la réécouter un nombre illimité de fois. Et c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci encore à nos panélistes là, et à Martin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, pour l'organisation. Merci. À bientôt.